Eh bien, salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, et bienvenue à notre sixième épisode de notre aventure sur le DLC de Bloodborne, The Old Hunters. Et nous venons de vaincre Lawrence, le premier vicaire. Ce ne fut pas une mince affaire, pour le coup. En plus, ça rime, c'est magnifique. Toujours est-il que, donc il m'aura demandé quand même 24 essais, le petit saligo. Pas extrêmement compliqué comme boss, honnêtement. Hein. Honnêtement, c'est pas le boss le plus dur pour l'instant. Que bon, forcément, j'en ai fait que deux. Hein. J'ai eu juste Ludwig juste avant, qui forcément c'était quand même un sacré défi. Mais comme vous avez pu le voir au fur et à mesure de mes avancées, au fur et à mesure de mes nombreux combats face à lui, on arrive quand même assez facilement à connaître ses patterns par cœur, notamment sur sa première phase de combat. Que je trouve, en fait, je trouve sa dernière phase de combat beaucoup plus compliquée que sa première. Contrairement à Ludwig. Ludwig, j'avais trouvé que sa première phase de combat était bien plus compliquée, la deuxième est un petit peu plus simple. Plus simple à esquiver, en tout cas, quand il avait son épée. Et toujours est-il que, voilà, Lawrence, très chiant dans sa dernière phase de combat, comme vous avez pu le voir, là, quand il nous balance de la lave partout, on a tendance à se trouver dedans et à perdre nos PV en un rien de temps. Et enfin bon bref, c'est un combat assez intense quand même, parce que vous avez pu voir, donc j'ai quand même appris ces patterns par cœur à force de le faire, hein, forcément. Dans sa première phase, vous voyez, j'étais tout le temps entre ses jambes. D'ailleurs, j'avais arrêté de le lock. J'avais enlevé le lock parce que la caméra est juste insupportable quand t'es entre ses jambes, elle fixe au milieu, du coup tu sais plus où t'habites. Et donc du coup voilà, je l'ai battu sans le lock et c'était beaucoup plus simple. Et donc voilà, j'étais entre ses jambes, il a bien plus de mal à nous toucher quand on est entre ses jambes. Et dans sa dernière phase, je me mettais le plus loin possible en attendant qu'il me crache de la lave pour pouvoir lui foncer dessus et lui asséner un coup puissant en pleine poire. Donc voilà, un combat pas super simple, comme vous avez pu le voir, je commençais le combat à chaque fois avec 29 fioles de sang. Donc ça c'est grâce aux runes que j'ai équipées. Et donc en parlant de runes, il nous a filé donc l'étreinte du monstre. J'ai l'impression que c'est une rune craquée là, une des dernières qu'on chope. Voilà, une bleue là comme ça, c'est ça. Rune d'étreinte prenait l'apparence d'un monstre. Potentiel ralliement plus 15. C'est de la merde. Ok, bah écoutez, on verra. Apparemment, je pense pas que ça nous file d'une forme quelconque, mais. Ce n'est qu'au terme de nombreuses expériences destinées à trouver un moyen de contrôler le fléau de monstres que la rune d'étreinte fut créée. Après l'échec de toutes les tentatives de mise en œuvre, la rune fut interdite, mais les connaissances acquises donnèrent naissance à l'église du remède. Ceux qui en font le serment adoptent une apparence terrifiante et leurs effets de transformation sont accrus, particulièrement en utilisant une arme monstre. D'accord. D'accord. Du coup, vous voyez, voilà, j'avais ces trois runes-là d'équiper, les trois communions, là, ce qui me permet d'avoir 29 fioles de sang au total. Je vais récupérer les quelques échos qui traînent ici. Et on va rentrer, je pense, pour consommer ces échos. Alors, soit en passant, en off, je regarde s'il n'y a plus rien à faire par là. Hein. Mince, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. En off, j'ai été obligé d'aller farmer un petit peu de mon côté, en fait, pour level up, pour me redonner des PV, parce que là, je pouvais juste rien faire. Le problème, c'est que c'est pas le nombre de dégâts que je lui faisais, parce que ça, à la rigueur, c'est juste une question de temps dans le combat. Mais là, c'était surtout une question de dégâts qu'il me faisait. À chaque fois qu'il me filait un coup, ça me mettait mid-life, voire plus. Même plus, oui, ça m'enlevait les trois quarts de ma vie, donc c'était un peu hard quand même. Donc du coup, j'ai beaucoup level up. Bienvenue. Comme vous allez pouvoir le voir. Très bien. Voilà, je suis niveau 151. Je suis monté niveau 50 en vitalité, qui me permet d'avoir 1500 points de vie. Donc c'est quand même énorme. Je pense que voilà, pour l'instant, j'ai déjà atteint un beau niveau en termes de vitalité. Mais vous voyez que voilà, maintenant il me faut 156 000 échos pour pouvoir reprendre un niveau. Donc, j'en ai 139 000, ça me ferait chier quand même de les perdre avant d'avancer. Donc je pense que on va juste aller farmer vite fait quelques mobs pour pouvoir avoir assez d'écho. Je connais l'endroit parfait de toute manière pour faire ça. Qu'est-ce que j'avais augmenté d'autre? J'ai repris un peu de points en endurance, en force, oui, je suis monté à niveau 50 en force. Et en compétence, j'ai dû en remettre un ou deux, je crois. Donc voilà, les prochains levels que je mettrai, je pense, sera dans la compétence et dans l'endurance.
Compétence, j'aurais bien envie de monter à 40 et endurance 46 sera très bien. Ok, donc voilà, ceci étant fait, je vais aller déséquiper ces runes-là, je vais en mettre d'autres. Je vais remettre mes nombres de... Non, c'était pas celle-là, alors attends. Je retrouve mes runes. Mes runes, voilà, j'avais contorsion de donne. J'avais extase sanguine. Et... Je resterai bien quand même, ouais, avec communion. Je vais rester avec 24 fioles, je pense que ça peut être... ce sera pas mal. Tac, voilà, j'en ai plus beaucoup, 86 fioles, va falloir que j'en rachète un petit peu plus tard. Du coup, on va aller vite fait là, je vais vous montrer en fait ce que je faisais en off. Ma façon de... la plus simple pour farmer un maximum de déco le plus rapidement possible. Donc là il m'en faut 156 000 on a dit, hein, donc ça devrait aller assez vite, hein, je vais juste faire une petite session. Donc il y a deux kidnappeurs à buter. Ce que j'appelle les kidnappeurs, c'est eux là avec leur sac. Eux c'est pas compliqué, il suffit de faire ça. Ouais, c'était pas prévu. Aïe. Suffit de faire ça, t'es forcément. Quand je dis ça, ça fait chier. Voilà. Voilà, 8000. Alors bien entendu, avec toutes mes... J'ai équipé plein de runes nécessaires et tout ça. Et en fait, ces mobs-là me donnaient 16000 échos. C'est quand même pas rien, 16000 échos à chaque fois. Je devrais pas faire le coup puissant, en fait. Ça me bouge toute mon endurance. Voilà. Ça sert à rien de se faire chier plus longtemps avec eux. De toute façon, on va y arriver très facilement. Tac, tac, tac. Il y a elle qui a tendance à me faire un coup bas. Hop. Et surtout, le plus important. Donc là, j'y suis, mais je vais en reprendre un petit peu plus. Pour pouvoir racheter quelques fioles. Et donc, surtout, le cochon. Le fameux cochon. Essayer de se le faire en backstab. Voilà. C'est exactement... Ah, putain, c'est pas vrai. D'habitude de cette attaque je me la prends jamais dans la tronche, t'es, mais là non. Forcément, vu que je filme, t'es. Voilà. Maintenant tu fermes bien ta gueule. Parfait. Donc lui il file beaucoup de déco. Alors 19000 et surtout quand j'avais toutes mes runes d'équipées qui me permettaient d'avoir plus d'écho, il m'en filait 41000. Donc c'est quand même pas dégueu du tout. Et du coup ça monte assez vite. C'est ce qui m'a permis d'avoir. De pouvoir level up assez aisément. Ok. Donc du coup, voilà, on va prendre un level, on va racheter quelques fioles, et donc on va pouvoir continuer la zone dans laquelle on s'était arrêté dans l'épisode dernier, c'est-à-dire le laboratoire. Je pense que ce niveau va me faire chier plus qu'autre chose. Alors, non, on a dit en compétences. Voilà, tac. Permet de gagner quelques points de dégâts et on va reprendre quelques petites fioles de sang. Ils ne seront pas négligeables. Voilà, parfait. Bon, et ben allez hop, on y va. Let's go to the laboratories. Ah, c'était magnifique. Quel accent délicieux. Ah, ah, ah. Ah, toi aussi tu l'as senti. Toi aussi. Ah oui, toi aussi tu aimes. Oui, j'adore. Voilà. Excusez-moi, j'ai un surplus de vivacité aujourd'hui. Peut-être dû au fait que je viens de buter Lorenz, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, non, c'était un combat assez intéressant. Ok, donc, nous voici donc ici même, chers amis, dans cette nouvelle zone. On gagne de la lucidité, je vois une bébête là, sans presser. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Deux morceaux de pierre de sang. Putain, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. On va pouvoir améliorer quelques armes. Ok, ce que c'est que ce délire là. Ça me fait penser en fait au. Avec ces escaliers comme ça, ça me fait penser aux archives du duc dans le premier Dark Souls. Qu'est-ce que j'avais comme arme? Ah oui, j'avais celle-là que j'avais commencé à améliorer, c'est vrai. Le problème c'est que je fais tellement peu de dégâts pour l'instant. Vous voyez, je suis en plus 6.
C'est pour ça que je suis content d'avoir les morceaux de sang. En fait, je vais pouvoir le morceau de pierre de sang, je vais pouvoir l'améliorer un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas une autre bébête qui se cache dans le coin par hasard? Non. Ok. Pourquoi je peux pas? Je peux pas le lock. Ah. S'il le veut, mes yeux, je crois qu'ils sont tombés dans une flaque d'eau. Ils semblent pâles désormais. Quelqu'un, je crois, tout. D'accord. Bon. Ok, là il y a une bébête. Et là, salope! Oh putain, ça empoisonne. Deux morceaux de pierre de sang, putain, c'est cool! Ok, cette flotte empoisonne. Bien. Est-ce qu'il me reste des antidotes? Non. Parfait. Je vais même peut-être équiper. Tac. Ouais, tranquillisant, on sait jamais. Je vais reprendre mon carapace fantasme vide. Je testerai bien, tiens, l'augure des Brietas pour vous la montrer un petit peu sur les ennemis. Du coup, il y a une âme ici. Elixir bleu, c'est vivant ça ou c'est mort? Apparemment, c'est mort. Ok, j'ai l'impression que tout le monde est mort en fait dans cette flaque d'eau. Alors, il me semble que je dois avoir une tenue qui résiste à l'empoisonnement. Le truc, c'est vu qu'on est dans le DLC, en fait, j'ai envie de jouer avec les armures et les armes que nous offre le DLC. Enfin, le problème, c'est que pour les armes, ça va être compliqué. J'ai déjà expliqué pourquoi. C'est pour ça que j'ai fait le... Attends, changer d'action. Lire le panneau. Terrasse du premier étage. D'accord. C'est pour ça, voilà, j'ai fait le vide dans mon inventaire. Comme j'avais dit que je ferais pour les tenues. Vous voyez, j'ai juste gardé les tenues qu'on a ramassées pour l'instant dans ce DLC. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui résistent au poison? Aïe, celle-là, elle a pas l'air mal, là. Tenue gardien de la paix, effectivement. 36, 44... 53. Ah, c'est pas dégueu, ça. Ouais, dégueulasse, la tenue, mais... Écoute, on va se la mettre. Je vais juste garder quand même. Résistance poison lent 223, 229. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Ah, elle est dégueulasse cette tenue. J'aime bien le chapeau, moi. J'aime beaucoup le chapeau de la tenue du chasseur du temps jadis. Ok, bon. Et bah, let's go. Hein. On va avancer. Je vois qu'il y en a un qui est juste au-dessus de ces escaliers là. Je sais pas trop ce que c'est. Ah bah c'est la même, c'est l'autre qui a perdu ses yeux là, c'est les mêmes, sauf qu'eux apparemment sont méchants. Bonjour. Non, parce que je te voyais plus en fait. Ça c'est de la merde. Qu'est-ce que je viens de voir là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut? Ah. Wow, on se détend. Bon, il se bute assez facilement. Ok, alors du coup, j'ai deux chemins qui s'offrent à moi. De toute façon, cette zone, il va falloir qu'on la visite entièrement, de toute manière. Je peux pas lire le panneau, voilà. Chambre de patient, deuxième étage, d'accord. Bon, c'est marrant, le rez-de-chaussée est considéré comme un étage. Ça, c'est la méthode... C'est la méthode à l'anglaise, je crois. Je crois que c'est les Anglais qui n'ont pas de rez-de-chaussée en fait. Leur rez-de-chaussée, pour eux, c'est le premier étage. Si je dis pas de conneries, il me semble qu'il y a un truc dans le genre. Alors attends, parce qu'ils sont plusieurs. Pourquoi ils s'énervent comme ça? Allez, viens là. Bon, l'avantage quand on fait des contres comme ça, c'est que ça nous permet assez facilement d'apprendre les patterns des ennemis. Ah! Sauf quand on fait de la merde comme moi. Oh putain, il y en a derrière moi.
Ah mais d'accord, ils sont tous venus à la fête en fait. Waouh 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 waouh. Ils font mal les cons. On va profiter un peu que j'ai une arme qui me permet de les stunlock. Tac. Par contre ils filent rien du tout eux. À part si ils filent quand même pas mal d'écho. Ok, il y a une zone juste là. Deux fioles de sang. Je vois rien du tout. Apparemment il y a des patients ici. On a l'air d'être dans une zone où ils font des expériences sur les gens. Expérience sur le sang, hein, de toute manière, parce que tout tourne autour de ça. Je vous en supplie, sortez-moi de cet enfer avant que je ne vienne. Bon bah ok hein. De rien. S'il vous plaît. Aidez-moi. Une gonzesse. Je suis coupable, oui. Mais je ne recommencerai pas. Je le jure. C'est ténèbres et mythes. J'ai peur. Et de ce qui émerge de leur profondeur aussi. Et c'est quoi le truc qu'ils ont sur la gueule là? C'est un sac ou c'est leur tête? Oh, s'il vous plaît. Je suis coupable et ténue de ce qui... J'abrège leur souffrance, hein, écoute. Hein. C'est eux qui me le demandent, hein. Moi j'y peux rien. Hein. Oh. Lady Maria. Non. Lady Maria, s'il vous plaît. Prenez ma main, aidez-moi. Ne me laissez pas me noyer. Va mourir. Voilà. J'imagine que Lady Maria, ça doit être une géante. Enfin, une grande. Ok, bon alors attends, parce que j'avais une autre zone à voir en dessous, mais de toute façon, ça me permettait de monter aussi. Donc, oula, mais elle est bien grande cette échelle. Mais pourquoi ils sont énervés comme ça, là? Faut vous calmer, mesdames, là, mes messieurs, dames, là. On se détend. Y'a du monde avec toi. D'accord. Il a beaucoup de santé lui. Aïe. Et tu payes. Et tu bouffes. Et tu la fermes. Ok. Des fioles de sang, ça fait plaisir ça. Qu'est-ce qu'on a donc par ici? Alors est-ce que ça mène à l'autre zone que j'ai pu voir juste avant? Encore un escalier. Ouais, il y avait du monde en bas là. Il y a bien du monde. Ça me paraît peut-être un peu haut pour faire une attaque. Ah oui, il y a vraiment du monde en fait. Ils sont 3, 4, 5. C'est le meilleur moyen de se prendre un gangbang par là. On va peut-être pas y aller tout de suite, hein. Laboratoire, oui, je suis en train de tilter sur le titre de. Sur le nom de la zone. Donc c'est le laboratoire, mais c'est. En fait, ça fait plus infirmerie qu'autre chose, sauf que. Ils font des expériences cheloues sur les. Sur les gens. Ça a certainement un rapport avec. Avec la maladie du sang qu'il y a dans le jeu de base. C'est certainement parti de là, j'imagine. Antidote. Voilà un vieux. Un vieux à la Gatling. Bonjour mesdemoiselles. Vous êtes combien là-dedans? Ah, il est vénère l'autre là-bas. Alors, chambre de patient, 4e étage. Ah bon, on a sauté un étage, viens. Bonjour.
bon, ça se fait, ça se fait. Attends, il y avait une âme ici, je l'avais pas vue. Les fioles de sang. Ah bah, d'accord, ils butent les ennemis à ma place, moi, c'est cool. Hein. Je vais pas refuser l'aide, hein. Ah, et puis il est vénère, hein. Il est vénère, le garçon. Putain, il file de ses échos, les mecs. C'est un bon spot de farm aussi par ici. Fiole de sang, fiole de sang, fiole de sang, fiole de sang. Gemme sanglante, humide sale. Ok. Ah, du coup, d'accord, on est au-dessus. Maître de la gemme sanglante. Ça veut dire quoi? Que je les ai toutes ramassées, c'est ça le délire? Ça paraît bizarre aussi, ça. Eh ben. Eh ben, dis donc. Obtenez une gemme sanglante extrêmement précieuse. Hein, hein. Voyons voir ce que c'est que cette gemme sanglante. Gemme sanglante humide sale. Effet poison rapide ajouté plus 10,5. Ouais, quand même. Dépense d'énergie réduite de 1,3. Ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça permet d'avoir un peu de poison sur son arme. Ça peut être sympa, sauf pour les ennemis qui sont immunisés contre ce même poison. Ok, donc du coup... Et ça réapparaît à chaque fois les hommes là ou quoi là? Je comprends pas. Je l'avais vraiment pas vu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a. Alors attends, il y a une zone en dessous que j'avais pas vue. Il y a un escalier aussi que j'ai pas pris. Vous voyez, je suis pas allé au milieu là. C'est un chasseur ça apparemment là au milieu. J'avais bien l'impression. J'entends des pas tout autour de moi, je sais pas trop d'où ça vient. Sûrement moyen d'y aller par là. Alors attends, je vais redescendre. Je vais redescendre, je vais redescendre. Il y a une zone que je voudrais voir. Si je me retrouve dans tout ce bordel, par contre. Ouais, c'était là. Hey, encore une âme là. Ah, attends. Elle est pas au même niveau là, celle-là. Il y a peut-être pas trop. Ouais, il n'y a pas moyen d'y aller à part par la porte qui est là, a priori. Mais écoute, on verra ça plus tard. On n'y voit tellement rien là-dedans. Donc là, c'est là où tout le monde m'a supplié de les massacrer. Chose que j'ai fait sans aucune pitié. Ok, vous voyez, voilà, il y a cet escalier-là que j'ai pas pris. Et donc ici... Ici, il y avait du monde, a priori. Oh, il a pas l'air mal, lui. Il a pas l'air bien, je veux dire. Wop, 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 wop. Qu'est-ce que c'était que ça? Bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger. Ouais, il y en avait en dessous, c'est pas grave. On a déjà les... La. Ok. Ce qu'on appelle un gangbang. Wow, mais d'accord, mais ah oui, il y a vraiment du monde. Ah, mais d'accord, je crois savoir où ça donne. Ok, c'est la fameuse zone où j'en avais compté 5 là. Ok, bon, va falloir faire ça un petit peu plus intelligemment du coup. Oh, ça devrait bien se passer normalement. Bon, faut que je fasse gaffe à la durée de l'épisode parce que je sais pas du tout combien de temps va durer. Le combat contre Lorenz, là, avec les ellipses que je vais devoir faire et tout ça. Je vais essayer de vous montrer un maximum du combat, hein, bien entendu. D'accord. Ok, très bien. Pas vrai! Quand tu me balances des trucs, toi? Ok, du coup. Ah, mais putain, il y a du monde ici aussi en fait. Aïe 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 aïe, mais ils font mal!
me font mal, les salauds. Est-ce qu'il y en a un qui a récupéré mes âmes ou pas? Allez, alors papa. Ça va bien se passer. Non, il veut pas. Il est très con, en fait. Allez, ramène-toi, là. T'es pas sérieux? Ok. Ils descendent. Alors, je sais pas s'il y en a un qui a récupéré mes échos ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Putain, merde. Ah, vas-y, j'ai des trucs qui se passent sur mon PC, là, je peux pas tout regarder. Ok, c'était lui. Allez, venez voir par là. C'est le fail. Ah, putain, pourquoi ça l'a pas touché? Ok, attends, 2 secondes. Laisse-moi tranquille, là. Internet Explorer, pourquoi il s'allume tout seul, lui? N'importe quoi. Alors, du coup, excusez-moi, ça va bien se passer. Du coup, le mieux, ce serait... D'accord, ils sont déjà venus, eux. J'ai quand même l'avantage d'avoir une arme qui stunlock les ennemis, donc ça c'est quand même assez cool. Ok, bon, du coup, on est venu à bout de cette zone où il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien par ici, c'est génial. C'est un cul-de-sac. Bon. Bah écoute, on va aller prendre l'autre escalier du coup, voir ce qui s'y trame. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que j'avais entendu du bruit. Je veux pas me faire chier avec les autres, ça sert à rien. Ce sera plus une perte de temps qu'autre chose. Donc du coup, par là. Voilà. Il y a une âme à récupérer. Tiens, mais il y a plus l'espèce de rampant là qui était dessus tout à l'heure. Il est tombé. Ah oui, il est tombé. Attends, je vais aller me le faire. Donne-moi ça, putain, c'est glauque. Dans une espèce de camisole de force, en fait. Je m'en méfie quand même. Je pense que ça doit être un truc qui doit faire tellement mal. Voilà. Ah, attends, j'avais dit que je testerais. Obure des Brietas. Ah, voilà, ça marche pas trop mal. Hein. Eh, dis donc. Ça paye, hein, quand même, par ici. Hein. Regardez, 169 000 échos, déjà. Ça paye quand même pas mal, hein. Ok, du coup. Oh là, il m'a l'air différent des autres, lui. J'aurais bien essayé de le... Ah, merde. Bon, tant pis. Ah, il a pas de... Il est à poil, lui. C'est dégueulasse. Comment on fait, du coup, pour aller là? Putain, grave, comment on fait? Ah, mais attends, il y a... J'avais pas vu qu'il y avait un petit chemin ici. Ah merde, j'avais pas vu ça, moi. Ah, attends. Je vais voir ça, moi, j'avais pas vu ça, qu'il y avait un chemin sur le côté. Il y a peut-être la même chose là, du coup. Ah, putain, l'abruti, quoi. Ah non, on peut pas y aller. Alors, attends, ça se trouve, c'est pareil de l'autre côté. Je vais aller voir, quand même. Par pure curiosité. Normalement on devrait pas venir me faire chier. Ah non, on peut pas. Ok, très bien.
Mais ouais, alors du coup, je me demande comment on fait là pour y accéder à la corniche là. J'imagine qu'il doit y avoir un moyen, de toute façon, de sauter quelque part, je sais pas trop où, mais. Bizarre cette affaire. Par là, on peut clairement pas. Là, il y a la rambarde qui nous empêche d'y aller. Je sais pas du tout, peut-être par en haut. Sauf faire un truc chelou, genre faut sauter. Ouais, non, tu peux pas, c'est beaucoup trop loin. Ah, peut-être de là, tu sautes sur la rambarde là. Putain, ça doit être galère. Ça doit être galère. Ça m'a l'air assez labyrinthique quand même, cette affaire. Et du coup, forcément, ça me fait vraiment penser aux archives du duc. Oula! Oula, oula, oula. Il y a du mob un peu plus craqué là. Oh, le piège à con. Putain de taras. J'avais pas vu les dégâts que ça m'avait fait en fait. Tout ça pour un savoir de démon. De démon. Mais alors, attends, comment il s'est déclenché le piège là? Juste en passant devant quoi en fait. Y a pas de trappe ou je sais pas trop quoi. Ouais bon. Voilà. Je savais pas. Je voulais m'arrêter en fait parce que je voulais l'avoir par surprise lui, mais je me suis arrêté parce que vu le bordel que ça fout, chaque fois que t'avances, faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a un qui va sûrement m'arriver dans le dos. Voilà, viens voir par là toi. Et on se détend. T'inquiète pas, j'ai l'habitude même. Je les connais, ça là, il me pose plus trop de problèmes désormais. Je vais dire ça et je vais me faire péter la gueule, forcément, tu sais. Voilà. D'accord, donc la porte est fermée ici. Laboratoire, troisième étage, ok. Ok. Alors du coup, alors attends, parce que j'aimerais bien savoir comment on fait pour y aller sur la corniche là-bas. Je vois pas trop... Je vois pas trop comment pour l'instant. Bon, enfin, on verra ça plus tard. Alors attends, je vais aller au bout. Du coup, je sens qu'il va y avoir un autre piège. Putain, je t'avais pas vu, toi. Maria, sauvez-moi. Je vous en supplie. Je n'entends rien. Oh, c'est glauque. Oh, sauve. C'est tout ce que vous avez à me dire, oh, sérieux. Sauve. C'est dégueulasse. Non, pas cette fois-ci. Mais c'est marrant, je peux pas les lock. Ça me fait chier de les buter, mais en même temps, c'est pour abréger leur souffrance, quoi. Je sais pas. Les pauvres, ils souffrent aussi. Je sais pas, mets-toi à leur place, quoi. Oh, et puis merde, tiens. Voilà, regarde. Il va faire un jiboli. Et en plus, elle a disparu. Parfait. Du coup, on a une porte par ici qui nous amène à une réunion de famille, a priori. Bonjour, messieurs, dames. Ils sont tous vivants, c'est les vieux à fauteuil roulant, là. Ah, il y a du monde, effectivement. J'entends des pas. Est-ce qu'il y a moyen de se les faire en backstab? J'adore l'animation de ces personnages, franchement. C'est génial. Les granulés de sang de monstre, qui sont très efficaces, hein, du coup, contre les boss. Ok, et donc, en fait, ils sont en train de faire des expériences cheloues. C'est dégueulasse. Voilà. Bienvenue dans la zone du bonheur, chers amis. Ici, on a une trappe. Parfait, parfait, parfait. Alors, attends, s'il y a des mécanismes un peu partout... Enfin, un peu partout, il y en a deux, calme-toi. Ok, il y en a un autre ici qui doit pas être en état de fonction. Ah, si, c'est pas celle-là que ça ouvre. Ah, c'est un ascenseur, d'accord. Alors, attends,
Est-ce qu'il y a une autre zone à voir avant par ici? Je ne crois pas. Non, c'est un cul-de-sac. Ah bah si, ouais, il y a ici. Je ne sais pas trop où est-ce que ça mène, ça. Un coin que je ne connais pas. Apparemment, cet ascenseur descend. Donc, je vais aller voir. Est-ce qu'il s'y trame là en dessous? Je peux pas le lock, lui. Encore un qui va Est-ce se plaindre. Vous, Lady Maria? Pas du tout. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Il me faut du liquide céphalo-rachidien. Quoi? Bien visqueux et trouble. J'ai quelque chose de visqueux et trouble aussi, si tu veux, mais bon, c'est... Ce sera peut-être pas du... Non, c'est pas... Non, ce sera pas la même chose. Pouvez-vous faire quelque chose? Il me faut... Ouais, ok. Bon, bah écoute, ouais, oui, si tu veux, ouais. Liquide céphalo-rachidien. Je sais pas où je vais trouver ça, moi, tu m'emmerdes. Liquide visqueux et trouble. Ouais, bah, j'en ai tout plein, mais... Ah, d'accord, ça nous ramène ici. Ok, très bien, parfait. Parfait, parfait. Bon, bah... Ouais. Non, je veux pas la buter, parce qu'elle m'a donné une mission, donc je vais essayer de... Oh, putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Où est-ce qu'on en est? Oh, je vais peut-être pas tarder à arrêter l'épisode, je voudrais pas qu'il fasse qu'il soit trop long non plus. Ah, le problème c'est que moi plus l'épisode est long, plus je mets longtemps à l'upload, donc c'est un peu particulier à gérer, puis c'est surtout que j'ai presque 200 000 échos. Et je vois un chasseur là-haut, là ça me ferait chier de les perdre en fait. Ah oh attends. Les escaliers, il y a peut-être moyen de les tourner du coup. Donc c'est bien comme dans les archives du duc. Hein. Moi je viens d'où? Je viens de cet escalier là. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Hein. Je crois pas qu'il y ait de porte là-bas. Ok, donc je peux aller sur cet escalier. Mais ça va me mener absolument nulle part. Là. Ah si, dans le niveau du dessous. Ce sera peut-être plus sécure d'y aller par là, parce qu'au moins, s'il y a des ennemis qui approchent, je les verrai arriver. Voilà. Là, il n'y a rien. Ok. Ah, bah alors, attends, du coup, il y a peut-être moyen de descendre. Putain, l'enculé. D'accord. C'était le piège à con. Forcément, il y a quelqu'un pour se les prendre, t'es bien moi, hein. D'accord, c'est pas du tout au bon endroit en fait. Je pensais que ça amenait justement au-dessus de la corniche, mais croire que non, ou alors la corniche est plus haut. Non, bah non. Merde. Elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Bon, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors. Là-bas, ça nous amène à l'extérieur, a priori. Faut que je fasse gaffe à ces... Je fais gaffe à ces commodes, du coup, là. C'est quoi cette... C'est quoi cette bestiole, là? Et merde. Ah, c'est la même chose. Calme-toi. Ça va bien se passer. Si, 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 je te jure, ça va bien se passer. 5900, putain, mais... Ça paye, hein, par ici. Hein. Non? Ok. Il y a une ambiance vraiment particulière dans cette zone. Je sais pas trop quoi en penser, en fait. Il y a rien de rassurant. Salut? Ok, bon, ça se passe plutôt bien. Chime sanglante, humide, rayonnante. Pas moyen d'y aller là? Bizarre. Salut.
très très étrange cette zone, hein, quand même, pour l'instant. Tenue chasseur Tangalis décorative. Allons voir. Tenue chasseur Tangalis décorative. Et du coup, il n'y a que le haut et le bas. Ah, c'est marrant, il y a une attelle. D'accord, c'est la tenue de Mad Max en fait. La tenue de Mad Max, mais façon. Façon Bloodborne. D'accord. Oh, non, et moi. En fait, c'est la même sans la cape. Ouais, c'est ça, hein. C'est la même sans la cape, ouais, c'est ça. Sauf que là, il n'y a pas la telle. Donc, avec la telle, ça donne un petit côté sympatoche. Elle est où, il y a celle-là. En stats, c'est quoi? Elle est quand même beaucoup moins bonne. Ah, c'est sympa, sympa, j'aime bien. Je vais garder la tenue du boucher quand même, c'est celle qui offre la meilleure protection au poison. Alors je pourrais reprendre, j'ai certainement des tenues qui sont meilleures des tenues du jeu de base qui sont meilleures en termes de résistance de poison, mais comme j'ai déjà dit, j'ai envie de jouer avec les tenues et les armes que m'offre ce DLC. Bon voilà, forcément les armes c'est un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, faudrait que je revienne au rêve du chasseur pour pouvoir l'améliorer maintenant que j'ai des morceaux de sang. Putain, j'ai 220 000 échos, je me trimballe gratuitement. Ah d'accord, du coup ça me ramène ici. Ok, parfait. Parfait, parfait. Et attends, il y a peut-être autre chose du coup que j'ai loupé avant de clore cet épisode. Ce sera beaucoup trop long du coup. Mais c'est pas grave. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ok, mon PC est en train de péter un plomb. Tout va bien se passer. Est-ce que je peux y aller par là du coup? Non. Je sais pas comment on va sur cette corniche. On verra ça plus tard, j'imagine. Ok, bon bah écoutez, je pense que... Ah non, 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 il y a encore cette porte qui nous amène à l'extérieur. Je voulais pas. Désolé. Pardon. Plic, bloc, plic, bloc. The fuck. Splish, plash, splish, plash. Plic. D'accord. Plic, bloc, splish, plash. Oui, très bien, bien sûr, tout à fait. Bon, mais oui, du coup, je confirme. En fait, non, c'est bizarre. L'intérieur, ça me fait penser aux archives du Duc, et l'extérieur, ça me fait carrément penser à Anor Orlando. La structure là de ce bâtiment, qui est juste magnifique, hein, soit dit en passant, mais... Waouh. Superbe. Ok. Bien. Bon, et bah écoutez, chers amis, sur cette vue magnifique, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 6, me semble-t-il, et on se dit à très vite. Pour la suite, moi je pense que ce que je vais faire, vu que j'ai 220 000 échos quand même, faut pas trop déconner, je vais aller les consommer, je pense que je vais prendre un level quand même. Le problème c'est que je vais vite les ravoir en fait, donc en fait non, ça sert à rien. Non, bah écoutez, on se dit à très vite, hein, pour la suite, pour le prochain épisode, ce sera donc l'épisode 7. Je vous remercie bien entendu d'avoir regardé cet épisode, je vous dis à bientôt, chers amis, et sur ce, ciao ciao, et surtout, portez-vous bien, c'est le plus important. Allez, bye bye.